Le gouvernement canadien a annoncé aux Haïtiens et Haïtiennes qui résident temporairement capables de demander gratis depuis 23 mai. Ils ont permis de travail, ils ont permis pour étudier ou bien prolongation statutaire. Mais ça a concerné toute même famille, toute nationalité qui arrive au Canada avec statut résident temporaire grâce à un départ assisté ou bénéficié en Haïti. De l'autre côté, les gens qui sont admissibles sont capables de bénéficier pendant 3 mois, couverti programme fédéral santé intérimaire, selon le ministre immigration, réfugiés et citoyenneté pays Canada, Mark Miller. D'après l'autorité, ils prennent ces mesures dans l'idée pour permettre aux familles de rester ensemble et puis offrir aux Haïtiens et Haïtiennes qui ont évolué au Canada un côté qui est assuré pour rester, étudier et puis travailler. Dernièrement, le gouvernement canadien a facilité 681 personnes qui étaient pays d'Haïti. Parmi eux, 435 qui ont une nationalité canadienne, 111 qui ont une résidence permanente et puis 135 qui ont une résidence temporaire. Autorités canadiennes promettent pour continuer à bailler priorité aux citoyens pays d'Haïti, Colombie, Venezuela, dans le cadre des démarches pour rejoindre une résidence permanente au Canada.